Ce truc peut te faire sauter par la fenêtre. J'ai entendu des histoires de potes et de parents qui étaient morts en sautant. Le PCP entraîne une longue euphorie avec des hallucinations. Ceux qui en prennent ne sentent plus la douleur. En hyperthermie, ils se déshabillent. Cette drogue est vendue sous forme de liquide brun ou mélangé à du cannabis, à des herbes ou à du tabac. L'un de ses surnoms est Wet. Ça vaut 3 400 $ le litre. Je vais la tremper. On penche la fiole, on la met dedans, on tourne. Tu vois comme c'est imbibé? On l'a bien trempé, c'est clair. Si je te donne ça, c'est 10 $. Ça brûle bien, hein? C'est très inflammable. Maintenant, tu peux la fumer. Tu vois les cendres blanches? Même mouillé, ça brûle. C'est pour ça que ça s'appelle wet, mouillé. Si tu respires juste du shit, ça te fait rien. Il faut inhaler. Ça, ça te défonce si t'es dans la pièce où ça brûle. Le PCP est composé d'acide chlorhydrique et de cyanure. Les dealers qui en vendent ne peuvent jamais être sûrs de ce que le produit contient réellement. Comment savoir si c'est du bon? Regarde. Ça tourne comme un cyclone. Plus l'effet de cyclone dure, plus c'est pur. Devon ne peut garantir les effets du PCP sur ses acheteurs. On n'imagine pas, mais le truc peut te faire monter sur un toit pour aboyer comme un chien, ou courir partout en disant « je vole », ou encore sauter sous un bus, ou bouffer la tronche de quelqu'un parce que tu crois que c'est un zombie. On peut faire des trucs comme ça. La différence entre un dealer d'héro et un dealer de PCP, c'est le sens des responsabilités, je pense. Comme pour toute drogue, plus ça déchire grave, plus les gens vont vouloir en acheter.